c'est le gingering? Le majorage. Méjoint à quelqu'un est une personne de dégénier une personne par son genre qui ne correspond pas à son sexe assigné. Dégenrer une personne est une personne volonté ou action involontaire ou volontaire involontaire. Ça veut dire que des fois, ce n'est pas volontaire. Par une personne utilisant un pronom, action ou son nom ne sont pas utilisés par des personnes. Appeler une personne par son madame ou monsieur constitue son identité de genre, utiliser acte de prénom ou pour une personne trans ou non-binaire ou autre du spectre du genre, particulièrement appelé par le c'est le norinomage, je sais pas ce que c'est norinomage, je vais chercher ce que c'est norinomage. Le norinomage est une manière de dire le prénom présenté par le nom qui n'est pas cisgenre et qui a vu transentité ou non-binaire définie d'un changement de son prénom administrativement utilisé. Voilà, le méjorage est quelqu'un qui a été légalement utilisé son prénom, et le méjorage est une personne qui a changé depuis utiliser son prénom et pas le nom légalement. C'est ça justement le méjorage. On appelle ça méjorage. Du coup, c'est méjorage. C'est ça qu'on appelle. Et du coup, on appelle ça en théorie pour une personne se correspond aux normes du genre qui n'est pas dans 100 exemples. Utiliser les toilettes. Le degning, qui est ou le nom et le nommage, est une personne qui a son prénom préparé à qui a. Une personne qui a mis son dénem, c'est une personne qui est préparée d'une personne qui n'est pas cis, qui ne trans ou non binaire, qui décide de changer de prénom administrativement pour utiliser un nom d'usage, et administrativement d'une personne changer de prénom, ou socialement, justement, que socialement, sans administrativement, par une personne magnifiquement de l'état civil, officiellement, uniquement par indité dans entendu de morale, disclaimer, ça peut que aussi que social, ça peut aussi pas que certainement. Et justement, un résumé officiellement du daming ou du moming décide utiliser une personne non consignée à consigner au nommage d'une personne utilisée du deadname ou peut-être d'une personne accompagnée consciemment. Il y a que quelqu'un qui utilise le deadname, c'est quelqu'un qui dit involontairement le deadname ou involontairement le deadname d'une personne qui ne correspond pas à la naissance. Voilà. Voilà.